Face à la canicule, une prévention efficace s'avère nécessaire. Elle doit être de mise pour les personnes âgées. Mais quelles sont les précautions à prendre pour préserver sa santé? Nous en parlons avec l'invité de ce dimanche, Dr Sylvain Ouédraogo. Il est gériatre. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, vous l'avez sans doute vécu, hein, comme tout le monde au Burkina, la canicule. Mais on a de cesse à le répéter, les personnes âgées sont particulièrement vulnérables pendant ces périodes. Quelles sont les raisons physiologiques qui expliquent cette vulnérabilité de cette couche de la société? Ok, déjà merci beaucoup pour l'invitation de me permettre de donner ce message à la population pour pouvoir s'occuper des personnes âgées. Alors, l'explication de pourquoi les personnes âgées sont vulnérables à cette canicule, elles sont simples, elles sont liées en fait au poids de l'âge. Généralement, j'ai l'habitude de dire une personne, le corps humain, c'est un peu comme une voiture. Au bout de quelques années, vous allez commencer à avoir des signes de faiblesse. C'est la même chose chez les personnes âgées. Le rein va fonctionner un peu plus lentement, le cœur pareillement, le poumon. Et c'est tout ça qui va faire que la personne âgée sera plus fragile à tous les stress. On ne parle pas que de la chaleur, mais tous les stress compris seront plus graves chez la personne âgée. Et ce qu'il faut surtout dire, c'est que la personne âgée, du fait de l'âge, commence à avoir une perte de la soif. Les jeunes, les adultes, quand ils ont leur quantité d'eau qui diminue dans le corps, ils ont automatiquement une alerte, c'est la soif, et ils courent, ils partent chercher l'eau. Mais chez la personne âgée, cette soif-là, cette alarme n'existe plus. C'est pour ça qu'une personne peut passer du matin au soir sans boire ne serait-ce qu'un seul verre d'eau, alors que les plus jeunes vont se ruer sur l'eau et boire des litres et des litres. En tout cas, les risques sont énormes, encore plus chez ces personnes du troisième âge. Parmi les pathologies causées par la canicule chez ces personnes, on parle de l'hyperthermie, de la déshydratation, de l'hyponatrémie. Dites-nous plus sur ces pathologies et comment elles se manifestent. Alors, toutes ces pathologies-là sont les conséquences en fait de la déshydratation, de la forte chaleur. Donc, comme je le disais, la personne âgée, c'est un corps qui fonctionne avec des organes. Et malheureusement, ces organes-là commencent à faiblir avec le temps. Vous savez, le corps humain va toujours chercher, par exemple, à avoir une température équilibrée. Quand il fait trop chaud, la température baisse. Et quand il fait trop froid, la température monte. Mais avec l'âge, ces mécanismes de régulation ne fonctionnent plus. Donc, si vous mettez une personne âgée dans un environnement qui est chaud, elle ne sait plus faire baisser la température. Et c'est comme cela qu'elle va commencer à faire de la fièvre. Son corps va chauffer, et si son corps chauffe, elle va perdre d'autant plus de l'eau. Et si elle perd de l'eau, elle sera déshydratée. Donc c'est toutes ces conséquences de son vieillissement en fait qui fait qu'elle va avoir ces complications liées à la forte chaleur. Donc ça commence toujours par la fièvre? Ça va commencer par la fièvre, mais le premier signe que l'on va voir, c'est que c'est une personne qui commence à ne plus suer. Quand on a chaud, automatiquement on se met à suer, mais lorsque les capacités du corps sont dépassées, il n'y a plus de sueur. C'est une personne âgée, elle a la bouche sèche, les yeux, il n'y a pas de larmes. Quand vous touchez la peau, elle est sèche. Et ensuite, maintenant, vous allez voir la température qui va monter. Et si rien n'est fait, elle va progressivement rentrer dans un coma. Alors, l'information a été donnée à plusieurs reprises dans les reportages que nous venons de suivre. On dénombre malheureusement plusieurs cas de décès pendant ces périodes de canicule. Est-ce que des statistiques sont disponibles? Alors, actuellement, il faut savoir que les équipes du ministère sont en train de collégier, en fait, de compiler ces statistiques-là. Parce que les reportages que l'on a vus dans les grandes villes, il faut savoir que le phénomène est pareil, même dans les communes rurales, etc. Donc, c'est un phénomène qui est général. Et actuellement, ce que l'on a pu avoir comme information statistique, c'est que 49% des décès sont retrouvés chez les personnes âgées. Donc, c'est-à-dire la moitié des décès, ce sont les personnes âgées qui payent le prix. Et la deuxième information que l'on a eue sur ces nombres-là, c'est que 35 à 39% des personnes qui décèdent même avant d'arriver à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a un retard aux soins. Les personnes ne consultent pas assez vite, donc on n'a même pas la chance même de pouvoir les récupérer. En tout cas, on vous aurait bien compris, hein, docteur. Les personnes âgées sont les plus touchées. Est-ce que cette vulnérabilité concerne aussi les personnes qui souffrent de maladies chroniques? Tout à fait. Il faut savoir que les personnes âgées, malheureusement, cumulent les maladies chroniques. Mais malheureusement, dans notre population, on a des personnes qui n'ont même pas 60 ans, qui sont déjà hypertendues, diabétiques. On a des jeunes de 35 ans qui ont de l'insuffisance rénale. Et toutes ces pathologies-là déjà souffrent de la forte chaleur. Si on prend par exemple l'insuffisance rénale, vous savez, le rein, c'est comme un organe qui lave le corps. Et sans eau, on ne peut pas laver nos habits.
Donc, c'est ce qui se passe, par exemple, chez ces gens de pathologie-là. Même s'ils ne sont pas âgés, la chaleur va empirer leur état de santé et voire même précipiter la mort. Mais quelles sont les précautions à prendre pour augmenter sa résistance en cas de canicule? Alors, les conseils que l'on peut donner sont de deux ordres. Le premier, c'est de rester dans un endroit frais par tous les moyens possibles. Je disais tantôt, si on a la possibilité d'être dans un environnement climatisé, c'est une bonne solution. Si ce n'est pas possible, on utilise le ventilateur. Et même si ce n'est pas possible, se mettre à l'abri du soleil déjà, à l'ombre, dévêtir et parfois même mouiller le linge et poser sur soi, ça permet de faire baisser la température. Ça, c'est le premier moyen à faire. Le deuxième moyen, c'est s'hydrater. S'hydrater en grande quantité. Et les personnes âgées doivent savoir qu'ils doivent boire, dans cette période-là, au minimum 4 à 5 litres d'eau par jour. Lorsqu'on sait que la personne âgée, toute seule, elle va boire que 1 litre. Donc, vous voyez qu'il y a au moins 3 litres qu'elle n'aura pas. Et il faut que l'entourage, la famille, les amis, les proches, les voisins soient à côté pour lui donner à boire. Donc c'est vraiment ces deux solutions-là qu'on peut mettre en place pour prévenir justement les effets néfastes de cette canicule. Et quels sont les conseils que vous avez à l'attention hein, des mamans hein, qui ont des nourrissons ou des enfants en bas âge et même aux autres franges de la société? Tout à fait, vous faites bien de le dire. C'est vrai que cette canicule-là va toucher surtout les personnes fragiles. C'est vrai que les personnes âgées payent le prix fort de cette canicule, mais il ne faut pas oublier les autres franges fragiles, à savoir les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les nouveau-nés, les nourrissons. Et à eux, il faut leur dire les mêmes conseils, c'est s'hydrater en grande quantité, éviter les activités en plein soleil, se reposer. Et à chaque fois qu'il y a une perturbation, une anomalie, un signe de fatigue, etc., consulter. Il ne faut pas hésiter de consulter parce que c'est les retards, en fait, qui entraînent les décès. Merci, docteur Sylvain Ouedraogo, d'être passé répondre à nos questions. Merci pour vos précieux conseils hein, en cas de canicule. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes gériatre, pour ne pas dire spécialiste de la santé des personnes âgées. Tout à fait. Merci de rester avec nous pour la suite de l'édition. Merci à vous.